Des bactéries au service de la croissance des plantes. Donc, prenons par exemple le phosphore qui est un élément indispensable pour les plantes. Euh, il va intervenir dans de nombreux processus physiologiques, notamment la photosynthèse. Il est très important pour avoir une bonne vigueur au départ de nos cultures. Il a une importance aussi sur la croissance du système racinaire. Comme on peut le voir sur la photo à l'écran, euh, on a une grosse différence donc avec et sans phosphore. Euh, sans phosphore, on a une plante qui va peut se développer, euh, qui va avoir tendance à régresser, voire même disparaître si la carence est trop prononcée ou dure trop longtemps dans le temps. Donc le phosphore est un élément indispensable, mais difficilement disponible dans le sol. Euh, il est, même s'il est présent dans nos sols, il est très peu euh, présent dans la solution du sol sous une forme assimilable par la plante. Euh, un autre élément important, comme on peut le voir sur le graphique, c'est un des éléments qui est le moins mobile dans le sol. Donc même s'il est en solution, il faut qu'il soit à proximité de la racine pour que celle-ci puisse l'absorber et l'utiliser. Et le dernier point important sur le phosphore, c'est que même si on apporte du phosphore de manière externe, euh, il va avoir tendance à être très rapidement rétrogradé et donc passer d'une forme assimilable à une forme bloquée. Comment est-ce qu'on peut rendre le phosphore plus assimilable pour la plante Avant de regarder ça, on va s'intéresser à une zone très importante de la plante qu'on appelle la rhizosphère. Donc la rhizosphère, qu'est-ce que c'est C'est la zone qui est au plus proche de la racine, vraiment autour de celle-ci, et qui est un, une zone d'interface et d'échange entre le sol et la plante. Euh, la plante, on sait qu'elle va relarguer jusqu'à 20 ou 30 des éléments. Produit lors de la photosynthèse via des exudats racinaires, donc pour euh, donner des éléments nutritifs, relarguer ces éléments nutritifs dans le sol, notamment euh, à la microflore du sol. Quand on parle de microflore, on parle de bactéries, de levures, de champignons. Euh, là, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est les bactéries. C'est un exemple d'illustration sur cette image-là. On voit qu'il y a beaucoup plus d'éléments au plus proche de la rhizosphère que dans le reste du sol. En effet, on sait qu'il y a jusqu'à 25 fois plus de populations bactériennes autour de la racine que dans le reste du sol. Donc nous, on va s'intéresser à une bactérie qui va vivre dans cette rhizosphère et qu'on appelle un PGPR. Mais qu'est-ce que c'est un PGPR Donc un PGPR, c'est une bactérie qu'on va appeler Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Donc c'est une bactérie qui va vivre dans la rhizosphère et qui va interagir avec la plante pour l'aider dans son développement. À l'image, on a un très bon exemple d'une bactérie très efficace dans son, dans son boulot de, de PGPR et dans son interaction avec la plante. C'est un Bacillus amyloliquefaciens souche IT45. Donc, on a vu les problèmes euh, liés au, au phosphore. On a vu ce qui se passait au plus proche de la rhizosphère. Maintenant, on va essayer de voir comment mieux gérer le phosphore grâce à ces PGPA. Donc, pour une meilleure absorption du phosphore, si on revient sur ce qu'on a dit au début, il faut que le phosphore soit en solution, donc sous une forme assimilable par la plante. Il faut qu'il soit au plus proche de la racine pour être disponible et assimilable et assimilé. Euh, de autre côté, on a notre bactérie, Bacillus amylolycephacien, cité 45, qui, lui, va vivre sur la racine et autour de la racine. Donc, toutes les actions qu'il va avoir vont être dans cette zone-là. Une de ces actions, c'est de remettre le phosphore en solution. Donc, il va être capable de faire passer le phosphore d'une forme bloquée à une forme assimilable et disponible par la plante au plus proche de la racine. Donc, dans une zone favorable à l'assimilation. Un autre point très important, avec notre bacillus amyloïquefaciente CT45, c'est que via la sécrétion d'hormones, il va aider la plante à euh, euh, développer son système racinaire. En fait, il va stimuler la croissance du système racinaire et donc augmenter le volume de prospection du sol des racines et euh, donc favoriser la rencontre avec de nouveaux éléments et notamment se rapprocher du phosphore. Donc le bacillus amyloïquefaciente CT45, c'est une bactérie qui est capable de se mettre au service de la croissance des plantes, notamment dans notre exemple de la mise à disposition du phosphore.